Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'individu Vous m'expliquez, les gars? Mais chef, on l'a rien fait. C'est le mec, il était là, il regardait moi, j'ai cru que c'était un suspect, j'ai contrôlé quoi. Alors là, les gars, l'individu raconte pas du tout la même chose que vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais chef, on n'a rien fait, je vous jure. Demande à Fabrice, il ressemble à un violeur cambrioleur terroriste, on a allé le contrôler, dis-lui Fabrice. C'est vrai chef, quand on l'a vu, on s'est dit, waouh, lui il a un bon boule. Son boule, il est. Mais non, pas ça! Ça, c'est la deuxième intention après la première information. Mais la première, c'était qu'il était suspect dangereux. Ah oui, c'est vrai que la première information, c'était déjà c'est vrai qu'il était suspect et qu'il paraissait dangereux. Ouais. D'accord, j'entends ce que vous me dites, mais en quoi l'individu vous a paru suspect et dangereux sur le coup? Bah déjà, l'individu, il traînait dans le quartier de Aulnay-sous-Bois. C'est déjà très suspect, ça, chef. Mais est-ce que l'individu a proliféré ou obtempéré des gestes ou gratitudes qui ont été agressifs envers vous? Mais chef, c'est bah ouais, c'est abusé même. On arrivait, on lui a dit bonjour, c'est la police. Tes papiers, que fais-tu dans le quartier? Et là, il nous a dit oui, nanani, nanana. Oui, c'est vrai, il a dit nanani, nanana, j'ai entendu. Mais moi, chef, c'est la vérité, il était là, il parlait avec aisance et insolence. Et nous, on était là, j'ai dit, wesh, c'est la police, c'est pas ta mère, c'est... D'accord, le gars, je l'entends. Mais à quel moment la situation s'est dégradée entre vous et l'individu qui apparemment était suspect? Bah, chef, c'est quand l'individu a commencé à insulter nos darons. Il a commencé à dire, ouais, vos mères, elles boivent du Sprite, sa mère, ma mère, elle boit que de l'eau, chef. Alors là, c'est sûr que si l'individu effectivement a proliféré ce type d'insultes à votre égard, il fallait interagir tout de suite. Bah, c'est ce qu'on a fait, chef, on est intervenu tout de suite, demandant à Fabrice. Et on est arrivé, on l'a fait, hey, tu te calmes. Ouais, comme ça, on a dit, calme-toi, calme-toi. J'étais là, j'ai tout vu. Mais oui, comme ça, L'individu était devenu incontrôlable, chef, c'était abusé. D'accord, donc l'individu aurait donc montré des signes de non-tempérance envers l'officier, d'accord. Mais comment vous êtes avenu à une arrestation protocolaire? Ben, comme je vous ai dit, ben, le ton est monté. Et là, on a commencé à lui dire, ouais, on va t'arrêter, donne-nous tes mains. Oui, c'est vrai, le ton est monté. Et on lui a dit, donne-nous ton boule. Bah non, mais non, on lui a pas dit ça, wesh. On lui a dit, donne-nous tes poignets. C'est ça, on lui a dit, wesh. Ah oui, c'est vrai. On lui a dit, donne-nous tes poignets et montre-nous ton boule. Mais n'importe quoi, wesh. On n'a jamais dit ça. Et ouais, tu fous les nerfs, Fabrice. Ouais, chef, il fout les nerfs. Il dit n'importe quoi. Bon, ne m'obligez pas à taper du poing sur la table. Vous vous calmez tous les deux. Parce que dans cette histoire, un individu a fini avec une matraque policière dans les fesses. Mais chef, ça c'est un malentendu, c'est n'importe quoi, chef. Il y a méprise sur la situation, chef. D'accord, je l'entends. Mais expliquez-moi comment une matraque policière de type A44, conçue pour détruire des blindés, a fini dans les fesses d'un individu. Ah mais ça, chef, je peux parfaitement vous restituer la situation, comment ça s'est passé. Elle demanda à Fabrice, et j'ai glissé de fou. Ouais, il a glissé dans son boule. J'ai vu, j'étais là. Ouais, j'ai glissé. Certes, j'ai glissé sur son fessier. Certes, il était à trio, mais c'était un accident, chef. Ouais, j'étais là. Son boule était vraiment attrayant. C'est pour ça qu'on lui a niqué sa mère, parce qu'il voulait pas nous donner son boule. C'est pour ça, chef. J'ai juré, t'es un fils de pute. Chef, c'est ça.